J'espère que vous êtes content de revoir ma tête encore une fois. J'espère que vous avez kiffé ma petite intro. Elle m'a littéralement pris 4 heures à filmer parce que je me suis réveillée à 8 heures pour un cours d'SES que j'ai même pas pu suivre. Du coup, tout ce que j'ai fait depuis 8 heures, c'est finir le montage de ma vidéo All My Sneakers. Et ensuite, je suis allée me laver les cheveux. Je les avais pas lavés depuis lundi dernier, donc on continue la cure de sébum. On s'en fout, on va arrêter de parler cheveux dans tous mes vlogs. Je vais me faire un planning, bah, comme celui qui est là en fait, pour pouvoir le changer. Et je vais refaire un planning sur les 2 prochaines semaines à venir. Janvier, février, mars. Il y a 31 jours en mars. Donc le 1er avril, c'est mercredi. Du coup, bah, c'est parti. Moi, je vous laisse avec la suite de mon vlog. Voilà, c'est fini. Et là, j'ai noté pas de DS parce que normalement, c'était censé être ma semaine de stage. Enfin, mon stage, je le faisais avec mes parents à la base, donc... En ce moment, il y a tout le monde qui parle de ce film-là sur Netflix. Du coup, je pense que je vais le regarder. Tout le monde pleure, apparemment. Sauf que comme j'ai pas de cœur, moi, je pleure jamais devant les films. Est-ce que ça va réveiller en moi des émotions inconnues? Je sais pas. Faut vraiment que j'arrête de manger autant. C'est super grave, genre... Alors en fait, je viens de capter un truc, c'est que j'ai regardé les sous-titres là pour mettre en français parce que je trouve ça bizarre qu'ils parlent turc seulement. Mais en fait, il y a que du turc en sous-titré français. Je suis dégoûtée parce que vas-y, 2h10 de film en sous-titré, moi j'aime pas. Il est 17h45, j'ai absolument rien foutu de ma journée. Par contre, je pense que j'ai un bon coup là, mais j'arrive pas à pencher la tête plus que ça. C'est horrible, ça fait trop trop mal. J'ai regardé genre 12 minutes du film, je crois. Mais c'est parce que j'étais sur mon téléphone en même temps, du coup je comprenais rien. Donc je vais toujours faire retour parce que je regardais pas les sous-titres. Après, je vais faire un Just Dance avec ma soeur, je crois. On est en train de faire Just Dance avec ma soeur. Je suis en sueur. Qu'est-ce que je fais? Je vous filme alors que je me tape la honte? Oui, de toute façon, on est plus à ça après. J'ai encore perdu. J'adore. Je viens de commencer le film, je suis déjà en train de chialer. Est-ce que c'est normal? Il me fait vraiment trop de la peine le mec, genre. Je suis à même pas 13 minutes et j'ai déjà pleuré 2 fois. Après peut-être que je pleure parce que je sais que c'est un film qui est triste. Du coup je m'imagine ce qui peut se passer après. Je sais pas, mais c'est vraiment trop triste. Bref. Il est 8h50 et je suis en train de faire une éval de méca en physique. C'est super. J'ai pris mon petit déj, c'est un café que j'avais fait sur TikTok. Et, du coup je vous mets le TikTok maintenant. Il est 9h23, j'ai fini mon éval, je vais me dépêcher d'aller la scanner parce que j'ai jusqu'à 10h pour pouvoir l'envoyer. Alors là, faut que je mette les liens des vêtements dont je vous ai parlé dans ma vidéo All My Sneakers en barre d'infos parce que ça fait 2 jours qu'elle est sortie et je l'ai toujours pas fait. Du coup, je vais vous mettre les liens là de Rebellious et de Shein. Et ensuite, je ferai une sélection de vêtements sur un site parce que j'ai décidé de vous faire une nouvelle catégorie de vidéos. Alors, je vous cache pas que ce sera en partenariat, mais c'est une idée de vidéo qui me... fait trop envie depuis très très longtemps déjà. Je pense que d'ici la fin du confinement vous devrez avoir cette vidéo. Hier soir j'ai regardé les Marseillais, ça faisait un bail que j'avais pas regardé et bah, je suis trop contente parce que c'était l'épisode où elle dit que ça allait arriver et ça pète dans tous les sens, ça continue ce soir. Ça fait 20 minutes que je suis en train d'apprendre la choré du Renegade, qu'est-ce que vous voulez. Je suis soufflée, je suis au bout de ma life. J'ai oublié un truc mais je sais pas quoi. J'ai aucun flow, je rendirai un piqué, je fais hop, hop, hop. J'ai fini, je suis en sueur, je vais aller me changer. Je pense souvent, à chaque fois que j'arrive pas à faire un TikTok, je finis en pétage de câble et je fais nawak. Mais il y en a une qui peut être à peu près potable, du coup je vous poste le résultat quand j'aurai les 10 000 abonnés sur TikTok. Voilà, je sais pas j'ai une tête de quoi, mais j'ai pas une tête de Lola. Bon les amis, l'heure est grave, je m'ennuie, du coup je vais me lancer dans la customisation d'un vêtement. Un vêtement que j'ai retrouvé derrière mon armoire de mon lit. C'est un magnifique débardeur qui vient de chez Zara en taille... 11-12 ans. Vous voyez les petits tops comme ça, avec juste une ficelle, tu vois. Bah, ça va pas aller parce que c'est pas un long manche.
Bonne rémunération, story Instagram. C'est quoi cet objet de mail? Update, ça ressemble à ça. C'est très 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 laid. Genre ça, là, je les collecte de la colle déjà. Je me suis maquillée parce que j'ai une pote qui m'a proposé de faire partie dans un petit truc sympa. Du coup, je me suis maquillée, j'ai lissé mes cheveux pour la première fois depuis 3 semaines. Oups. Et du coup, j'en profite pour essayer de refaire le Renegade. J'aurais passé ma journée à essayer de faire le Renegade. La honte, ça. Ce plan il est nul à chier, mais c'est pas grave. Ça tombe bien, en plus il y a mes voisins qui me voient dehors, donc... J'ai des abonnés qui m'ont proposé de faire une vidéo « Je deviens une star sur TikTok en 24 heures !» Mais je vais pas le faire déjà parce que j'arrive pas à passer dans les pour-toi, donc c'est pas parce que je filme une vidéo que le Saint-Esprit va arriver et voilà. Mais moi j'ai déjà essayé de me filmer en train de faire un TikTok, par exemple mon vlog de la semaine dernière, et c'était trop gênant de me voir essayer de danser, tu vois. Voilà pourquoi je fais pas une vidéo 24 heures pour devenir une star sur TikTok. Putain, j'ai failli me prendre une carapace. Allez, avance, pas tout droit le cube, c'est bon le cube. Coucou! Voilà, je vais avoir le faux départ. Ah ouais, ouais. Ben, ça va me servir à rien, mais c'est pas grave. Don't forget me, baby. You remember me. Por favor, no te vayas, mi nena querida. Y apiádate de mí. No sé lo que pasa. Je vais aller sous ma douche parce qu'il est 21h42, j'adore me laver tard déjà. Mais là je viens de me taper une grosse déterre parce que bah, j'ai trop envie de chanter et le seul endroit où je peux chanter sans me faire juger, c'est dans ma douche parce qu'il y a personne qui m'entend. J'ai passé genre 25 minutes sous ma douche, je sais que c'est pas bon pour les économies d'eau mais là j'en avais vraiment besoin. Je suis sortie de ma douche vers 22h05, j'ai commencé mon live vers 22h15, je l'ai arrêté à 23h je dirais. Je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. Je viens de m'éclater les genoux, là il vient de craquer tout seul ce con. Mes vlogs sont de moins en moins intéressants donc je sais pas si je vous ferai une quatrième édition mais bref. Ouais, j'ai passé la nuit comme ça. J'ai trop mal, c'est un truc de ouf. Je crois que je dois aller chez le médecin, genre je vais demander qu'il me donne une minère ou je sais pas quoi, mais j'ai trop mal. En plus je suis trop moche, mais bon c'est pas grave, on a l'habitude maintenant. Il est 9h45, je suis réveillée depuis 8h35. J'attendais que mes parents se réveillent, et là je me rendors et tout, puis ma mère elle rentre dans ma chambre. Et voilà qu'elle m'enlève ma couette, et qu'elle ouvre le volet, qu'elle prend mes doudous, qu'elle l'allume, parce que celui-là c'est celui que j'avais acheté à New York, il fait du bruit genre. Voilà, ça dans mes oreilles alors que je dormais, paisiblement. Je suis au bout du Rolls, vraiment je suis au bout de ma vie. Après, il faut que je bosse parce que j'ai plein de trucs à faire. Déjà, j'avais une tâche finale en anglais et je suis contente parce que ma prof, elle l'a décalée à mardi. Pour demain, j'ai une feuille de route à rendre en SVT, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Et après, j'ai un audio à faire en anglais euro, donc je pense que je vais préparer ça aujourd'hui. Tout à l'heure je vous ai dit que j'étais grave motivée à travailler et tout aujourd'hui. Il est midi 45, ça fait 1h30 que je traîne dans mon lit, je regarde TikTok hein, pour changer. Je fais nimps et là je vais aller chercher des chips en bas parce que j'ai faim. Faut que j'envoie un message à ma mère pour lui dire d'acheter des tomates parce qu'elle est partie faire les courses avec mon père. C'est la première fois depuis 3 semaines que je mets autre chose qu'un jogging ou qu'un pantalon de pyjama. Du coup, écoutez, c'est plutôt pas mal. Mon sweat vient de chez Shein, je l'avais reçu cet été. Et ensuite, mon petit leggings, bon, c'est un Adidas du coup. J'ai trop envie de me maquiller, du coup j'ai sorti ma petite palette James Charles. Et je suis toujours en train de regarder Jane the Virgin, là je suis à la saison 5, épisode 3 du coup. J'adore. Faut que je change la date de mon truc, sinon on va me dire en commentaire, oui c'était pas long jour. Du coup on est bien le 2 avril aujourd'hui, mais j'ai pas changé. Ben voilà, à quoi ça ressemble. Même mon liner il est vraiment pas bien fait mais bon bref, maintenant que je suis maquillée je vais en profiter pour faire quelques TikTok. Et après j'irai faire mon peeling The Ordinary parce que je ne l'ai pas fait hier. J'ai mangé tôt ce soir, il devait être genre 19h30. Après on a regardé Les Marseillais. Après on a regardé Why Woman Killed sur M6. Puis là mes parents ils ont mis un film avec des chinois qui se battent et tout. Et j'aime pas. Du coup, bah, je suis montée. Donc, je vais regarder Jane de Virgin. Et après, j'irai dormir. Parce que là, mon cou me fait trop souffrir. Donc, je ne peux pas tenir plus. Comme j'y travaille demain, faut pas que je me réveille à 10h, quoi. Donc, voilà, bref. Parce que j'ai encore rien foutu aujourd'hui. Est-ce que ça vous étonne? Je suis pas sûre.
coucou. Ce matin, ils ont mis Les Anciens de l'Espace sur Netflix. Donc je pense que je vais regarder. Et j'ai toujours pas fait mon DM de Géo. Putain, j'ai dû travailler encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut que je travaille. Genre, ça fait déjà 3 semaines où je fous rien de mes semaines. Mais c'est le vendredi que je me mets en route. Il est 9h25. Je vais faire mon exercice de maths devant Les Anciens de l'Espace. Et putain, mais j'en ai marre d'être moche. Là, y a pas un jour dans ce vlog où j'étais potable. Genre, oh, mais mes cheveux en plus sont tout aplatis parce que j'ai dormi avec ma capuche. Genre, en gros, cette nuit, j'ai dormi comme ça, avec ma capuche fermée, comme ça. Et du coup, quand je me suis endormie, j'ai oublié de l'enlever, donc j'ai dormi comme ça. Donc mes cheveux, ils sont tout aplatis sur le haut. En plus d'être sales, ils sont aplatis. Super. Bref, là, je vais faire mon exercice de maths et je vais regarder Les Anciens de l'Espace sur Netflix parce que j'adorais ça quand j'étais petite. Pour déjeuner, matin, ça doit être sympa. Mon programme, en fait, avant de faire mes maths, je vais faire mon vocal en euros. Parce que je dois l'envoyer avant midi, il est 10h50. Donc le temps que je le fasse, que je me rectifie, etc. En fait, on va faire un vocal de 5 minutes. On va s'enregistrer, c'est bien. En plus, mes parents, ils passent l'aspirateur depuis tout à l'heure, ils écoutent la musique à fond. C'est insupportable, je peux pas faire ça dans des conditions agréables. Oh, oh putain, ça m'énerve. Je vais aller imprimer mon truc de maths au final. Du coup, j'ai pas pu vous filmer pendant que j'étais en train de m'enregistrer en anglais là, mais j'ai bugué, j'étais stressée alors que je parlais toute seule à mon téléphone. Genre. Je veux rien savoir parce que ça, c'est le meilleur repas qui puisse exister sur cette terre. Et je vais regarder Jane the Virgin et pas la Casa des Papel parce que vous êtes tous en train de regarder la saison 4 là, sauf que moi. Bah voilà, mais en fait j'ai l'impression que je suis la seule à avoir regardé la saison 4 de la Casa des Papel parce que je me suis arrêtée à l'épisode 8 de la saison 1. Alors je vais pouvoir cocher ma petite journée d'aujourd'hui, mettre euro, note vocale, le cocher, visio chapitre de méca parce que c'est dans 8 minutes. Voilà, j'avais oublié, je savais pas à quelle heure c'était. Du coup là ma mère est partie mettre mes petites crêpes à chauffer parce que d'ailleurs je suis toujours en pyjama parce que j'adore très bien en pyjama. Il est 13h54, ça passe beaucoup trop vite. En même temps, en déjeunant tous les matins à 10h, ça peut pas passer moins vite. Mais décidément, j'avais une tête de thon tout le long de ce vlog, encore pire que les deux autres. Je vais mettre la brune que Loan elle m'a offert dans notre swap, parce que je l'aime trop. Elles sont trop trop bonnes. Je l'adore. Je viens de retrouver mon cours, j'étais persuadée de pas l'avoir imprimé, de pas l'avoir reçu ou je ne sais quoi. Ils sont en train de se faire un plateau en attendant que la prof elle arrive, et ils m'ont même pas invité à jouer. Moi j'attends patiemment que ma prof arrive là, parce qu'il est 14h04 et elle est toujours pas là. 1, 2, 3, let's go! Anna, tu vas... Non, rien. Mes vlogs, ils sont de plus en plus courts et de plus en plus inintéressants, j'ai l'impression. Vous voulez impressionner vos potes avec une recette de café toute nouvelle, ça, c'est parfait. Bon, moi, je me tais et je vais faire la vaisselle. J'ai trop envie de continuer à être un mouton et j'ai trop envie d'accrocher des vinyles à mon mur. Et en fait, mon père il en a plein là, tout plein. Sauf qu'en fait c'est une collection parce qu'il les écoute pas. Du coup quand ils vont rentrer des courses, je vais demander à mon père s'il y a pas moyen que je lui pique un ou deux vinyles. Ah, il est beaucoup trop fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toujours un truc qui va pas. J'ai enlevé les images qui avaient un peu rose-violette. Là, sur mon petit moodboard, j'ai mis tous mes scrunchies, une paire de lunettes et j'ai enlevé pas mal de trucs là. J'ai réimprimé des images et tout après pour coller là. J'ai vu ça sur Pinterest, je trouve ça très très beau. J'aime trop ma petite guirlande derrière, je trouve ça grave mime. Là, on va faire 13 activités manuelles. Il est bientôt 18h, c'est pas mal. Le résultat de mon mur, du coup là c'est des étoiles et c'est pas des éclairs parce que les éclairs au final je les ai mis dans mon tiroir. En toute honnêteté je sais pas si je vais les laisser ou pas parce que je sais pas ce que j'en pense. Après là j'ai raccroché ma guirlande avec des punaises parce qu'elle tombait. Du coup là je vais aller me laver les mains parce que je vais bientôt manger étant donné qu'il est 19h57. Ensuite je vais aller ranger la peinture, nettoyer le pinceau parce qu'à chaque fois que je fais de la peinture je nettoie pas les pinceaux et du coup ils finissent tout durs. Mais bon bref, faut toujours que je range mes chaussures, ça fait depuis dimanche qu'elles sont là, depuis que j'ai tourné mon haul mes sneakers. Je me suis commandé des petites photos sur la lab. D'ailleurs j'ai toujours un code promo sur la lab si vous voulez l'utiliser, c'est lolananas et ça vous donne moins 5€ sur vos commandes.
voulais vous remercier d'avoir regardé ce vlog en entier. Enfin, moi j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner à ma chaîne, c'est toujours pas fait. On est bientôt à 90 000, donc truc de ouf. Vraiment merci. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!